venue au salon de Moscou, le salon du marché automobile russe qui est un des plus grands marchés mondiaux et le deuxième marché européen. Il a trois principales caractéristiques. La première, c'est que presque la moitié du marché, ce sont le segment des crossovers. La deuxième est que le segment de M0 est le plus grand avec une très forte concurrence. Et la troisième, une très grande gamme des véhicules du segment premium. Renault est aujourd'hui le deuxième constructeur automobile sur le marché russe et nous représentons une part de marché de 7,9% depuis le début de cette année. Nous sommes en croissance continue grâce à notre politique de localisation et au fait que nous avons des projets de plus en plus nombreux qui sont bien adaptés pour les clients russes. Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать на стенд Renault. We have several surprises for the Moscow Motor Show. I think the most exciting thing about this occasion is our two new products. Two stylish cars with different characters. The Renault Sandero, the Citizen, and the Renault Sandero Stepway, the Adventurer. Nouvelle Sandero et nouvelle Sandero Stepway sont des véhicules avec un design beaucoup plus moderne, avec un logo Renault mis encore plus en valeur, avec des lignes encore plus fluides, tout en gardant les mêmes critères d'habitabilité que l'ancienne Sandero. En termes d'équipement intérieur, je pense que les plus grandes différences viennent d'une plus grande adaptabilité aux conditions de nos pays, c'est-à-dire une garde au sol surélevée et ensuite des équipements qui facilitent la vie de nos consommateurs tous les jours, comme le pare-brise chauffant, comme la climatisation automatique, comme le limiteur de vitesse. Sur le segment des crossovers et sur le segment des pas chers, la concurrence s'intensifie. Lada, qui est le leader du marché automobile russe, présente les nouveaux designs qu'on verra maintenant sur toutes les voitures de Lada et donc leur entrée dans le segment des crossovers. Nissan, qui présente pour la première fois au salon de Moscou la marque Datsun. Je pense que la plus grande nouveauté du salon, c'est évidemment le renouvellement de la Chevrolet Niva. On s'aperçoit finalement que tous les grands groupes sont présents, l'essentiel pour nous étant de rester en première position. La nouvelle Sandero et la nouvelle Sandero Stepway sont pour la première fois produits chez Avtovaz, à Togliatti, sur la nouvelle ligne de production B0, dont nous partageons les capacités avec Lada et avec Nissan. La qualité de ces véhicules est garantie par le fait que dans nos installations de production, nous n'utilisons que les standards de production de l'alliance Renault-Nissan dans le monde. These two new models mark the new era in the history of Renault Russia. Now, for Renault, what is even more engaging than racing? I'm really excited to unveil an extraordinary car, an extreme car that is going to get people talking. The Renault Sport RS01. You know, I'm very proud to be part of this reveal today. It's an incredible and authentic sports car. This car proves the potential and expertise of Renault Sport to develop vehicles that shows the efficiency on the track and obviously can reveal the potential of future champions.